C'est l'heure de se réveiller, Léonard. J'ai pas envie d'aller à l'école. Ils sont méchants, les gens là-bas. Ils nous traitent de pauvres, mais je sais pas ce que ça veut dire, pauvre. Parce que si c'est des pavés, c'est pas amusant, hein. C'est pas amusant, des pavés, hein. Moi, j'ai toujours mon sourire sur moi. J'y peux rien, mais c'est triste. Bon. Ouais, mais moi, j'ai pas trop envie d'y aller. Mais on est obligé, tu sais, sinon maman, elle va nous disputer très, très, très fort. Mais déjà, d'où on va à l'école tout seul, mais maman, elle est quand même au travail. Bah oui, elle essaye de se faire de l'argent en même temps, hein, on est pauvres, comme ils disent, mais je sais pas ce que ça veut dire. Ouais, moi aussi. Bon, moi, je fais pas dodo. Mais non, faut y aller à l'école. Oh. J'avais quoi, moi, déjà, comme ça, quand j'étais petite, j'ai envie de le remettre. Bah, de toute façon, on a que ce sac. Moi, je sais ce que j'avais. Bah, il est où, mon sac? Ah oui, c'était un ça, je me rappelle. C'était ça, ouais. Ah là, il y a mon sac. On va réveiller Lily. Mmh. Oh, Lily, ma chérie. Tu mets ton sac? On va à l'école, ma pupuche. Lily, mais on reste avec toi, Lily. Nous aussi, on n'a pas envie de voir les harceleurs. Ah oui, je prends mon sac, moi aussi. Non, mais vu qu'il y a deux garçons, ça fait les harceleurs. Ma maîtresse, elle a dit ça. Cherche mon sac. Mais dépêche-toi, Lily. Allez, viens, Lily, je vais te préparer ton petit déjeuner. Tu veux une banane? Une gaufre? Les gaufres de maman? Banane, cap. Lily, t'es où? Chat, la pomme. Une serviette de plage, tout, elle est là. Une valise, de sang. Hé, hey, Léonard, tu prendras une gaufre de maman, d'accord? Ok. Je suis la plus grande de la maison. Je vais me cacher. Vous allez pas me trouver, vous allez pas me trouver. Oh non, Lily, bah tu dis rien, Léonard. Je vais se cacher au moins. Hop là. Ah, il est là enfin. Je l'ai trouvé. Allez, dépêche-toi, Léonard, sinon on va être en retard à l'école. Je vais te donner ta gaufre. Tiens, je te donne une gaufre. Merci. Allez, vite, il faut y aller. Allez, prends ton... ta bicyclette, Lily. Ouais. Léonard, tu vas trop vite. T'es trop aussi pressé d'aller à l'école. Ouais, pour passer la journée plus vite. Ah, mais moi, j'ai peur. Dès à l'entrée, ils vont nous harceler. Je le sens. Allez, viens, Lily, vite. Lily, tu vas plus à la crèche, t'as 6 ans. C'est toi, le petit loup, le pauvre. Arrête de me traiter comme ça. Qu'est-ce qu'il a, Maxime? Tiens. je vais te suivre partout. Oh non, petit Méo. Non, je vais te taper. Bon, ça va, moi, je vois pas mon arceau. Aïe. Je vais t'attraper. On m'attrape pas. Lâche-moi, Yudidi. Je m'en fiche. Je t'attraperai. Non. Ah. Ça va, moi, je vois même pas mon arceau. Allez. Allez. Elle n'a pas Pauline. Elle n'a pas Pauline. Non.
Allez, je m'en vais. Moi aussi, entends-moi, Maxime. J'ai trop mal. Pour me lever, j'ai l'impression qu'il m'a cassé une jambe. Je déteste Pauline. Non, mais vous êtes fous, vous êtes en... Pauline! Ça va, là, par terre? J'arrive, Lily. On prend le pas des étudiants parce que c'est la nouvelle année. Mais Pauline, elle est coincée dans la classe. Pauline, elle est coincée. Viens, Lélé, on est dans la même classe. Oh, je peux me lever. Elle est coincée derrière le mur. Ils sont où, là, vos harceleurs? Oups, ça va, Pauline, elle est plus là. Vous n'êtes pas dans la même classe, je suis plus petite que vous. Ah bah vous, vous êtes en maths, mais je suis moins petite. C'est quoi encore ça? Oh non, Chimio, il est dans la même classe. Oh non, Maxime, il est dans la même classe. Maxime, il est dans la même classe aussi. Eh, ça va le pleurnichard. T'arrêtes. Bon, moi, je pars, je suis pas dans la bonne classe. Ah, oh, ils sont trop nuls en fait, hein. Ça fait deux, madame. Hé hey, madame. Elle a scrapé sur moi, hein. C'est moi, je lui avais dit. Mais c'est pas vrai. Émilie, je vais me fâcher. Mais madame. À la fin de la matinée. Allez, salut les nazes. Allez, Léonard. Toi, au moins, Maxime, il n'est pas dans la même classe. Non, je ne veux pas partir. Moi, je veux... Je veux partir de l'école maintenant. Moi, je veux pas. Au moins, je saccage l'école. Et au moins, on les revoit. On pourra plus aller... Mais j'ai trop peur de le dire. Mais viens, viens quand même. On va le dire. Allez. On n'en a rien à faire. Hé, j'ai entendu. Si tu lui dis une fois que je t'harcèle, tu vas en vouloir les conséquences. Tu vas être frappé, tapé et poussé. Oh non, Maxime, tu reviens pas. En plus, non. Maxime, tu manges le sol. Hein. Je sais pas pourquoi tu fais ça, mais bon. Je vais t'attraper. Non, Maxime, j'ai une idée. Massage. Arrête de me pousser. Maxime. Et voilà. J'ai coincé Maxime. Maxime est sous le sol. Maxime. C'est l'heure de rentrer. Viens, ma Lily. Lily, regarde, Maxime, il est sous le sol. Qu'est-ce que fait Maxime sous le sol? Je pense qu'il a un passage secret pour me suivre. Au moins, il sait où je suis. Mais non, t'inquiète pas. Allez, viens, Lily, c'est fini l'école. Lily? Lily, il faut rentrer. Allez. Ben ouais. Et puis en plus de ça, eh ben moi il y a Dio qui nous a dit que si ça continuait, eh ben Pauline, Maxime et Timéo, eh ben ils vont encore continuer de nous embêter si on le dit. Alors faut pas le dire. Mais non, non, faut pas le dire. Entrez à la maison vite. Oh la maison. J'ouvre la maison. Faut pas le dire.
j'ai trop peur. Je vais regarder un peu la télé. Je me souviens d'un truc qui m'a dit, tu es pauvre, sale noob. Ouais. Et moi, salut la fille, la pauvre et la dégueu qui se lave pas. Je vais m'asseoir à côté de toi, Léo, Lily. Non, c'est l'heure de se coucher. Non, moi je reste sérieux. Ah non, là on a juste fait le matin, hein. On n'a pas fait l'après-midi. On n'a pas fait quoi? L'après-midi. T'as dit quoi là? On n'a pas fait l'après-midi. Non, j'ai oublié. Moi je vais déjà. Voilà, j'ai préparé un bon repas. Lily, viens manger. Elle est partie faire dodo, je suis sûre. Mais c'est pas l'heure de dormir. Comment possible, même pas pour toi. Allez, vite, on va être en retard. Moi, je vais faire le patin à glace avec l'école, je sais même pas pourquoi. J'ai même envie de louper l'école. Allez, venez vite. Faut se dépêcher, on va être en retard. J'ai envie de louper l'école. Moi aussi, tu sais, mais on est obligé. Sinon, tu sais ce qui va arriver. Les conséquences vont être très graves et maman va beaucoup nous disputer. Entrer dans le métro. Je dois aller en cours de musique. Et moi, en cours d'art. Et moi, les patins à glace. Non, d'abord, mais tout ça, c'est nous guider aux toilettes. Ma copine est meilleure que ce gars. C'est pas beau ce que je suis en train de faire. Oui, merci madame. Allez, on va. Oh, oui, c'est vrai. C'est vrai. Ah ouais. On va aller dans la mer. C'est un beau prénom, ça. Juliana. Mais tiens, il me semble qu'il existe un métier pour tous les âges qui s'appelle YouTubeur. Ça peut m'aider à gagner de l'argent pour la famille. Je vais essayer d'en parler à Léonard, il est à côté. Peut-être qu'il pourra m'aider et qu'il trouvera son nom à lui. Ça peut être super bien de faire tout ça ensemble. Et même à Lily. Bon, je finis mon art et après c'est la récré. Des boules de glace. C'est une super bonne idée. Dis Léonard, j'ai une idée. Tu connais? Viens, c'est l'heure d'aller en récréation. Je vais te le dire à la récré. J'ai eu une superbe idée si on veut arrêter d'être intimidé. Viens.
Je vais faire un super panier. Écoute, ce serait bien si on ait une chaîne YouTube. Moi, je me suis trouvé un nom en plus. Écoute, vas-y. Ça claque. Juliana. Et il faudrait que tu le fasses avec moi et Lily aussi. Pas cool. No one. On va manger. Allez, salut les nunes. Bonjour. On va manger. Allez, on va manger. Il faut qu'on aille tout manger. Dire pour qu'on gagne de l'argent et qu'on soit plus intimidés. Tant pis s'ils nous font plus de mal, on s'en fiche. Il faut aller le dire. Oui. Madame, je dois vous dire quelque chose d'important que c'est dur à dire. Il y a Timéo, Pauline et Maxime qui embêtent Émilie, Léonard et Lily tous les jours. Et c'est du harcèlement. Du harcèlement ? Je vais tout de suite contacter vos parents. Ils vont tout de suite vous aider. Vous l'avez dit à vos parents ? Non, on l'a pas dit, on a trop peur. D'accord, je vais les contacter. Oui, monsieur, dame ? Oui, viens pour la table. Oui, et bien vite, on va se dépêcher. Oui. Voilà les enfants, n'ayez pas peur de le dire. Oui. Léonard, maintenant, il faut être heureux. Et oui, tout le monde. Lorsque vous êtes harcelé, n'ayez pas peur de le dire. C'est mieux pour vous si vous voulez que l'harcèlement se termine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et salut tout le monde.